Bonjour à tous et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine. Aujourd'hui, je vous présente des petits gâteaux au chocolat de la pâtisserie traditionnelle marocaine. Donc, je vous présente la recette à moitié d'ingrédients. N'oubliez pas le pouce bleu. Je vous remercie et à très très vite aux ingrédients. Donc, j'aurai besoin du beurre mou ou ramolli, 125 g. Huile végétale au tournesol, 40 ml. Le sucre vanillé, 4 g. Vous pouvez le remplacer par les zestes de citron. Une pincée de sel. Levure chimique 4 g, le sucre tendre glace 50 g, la même mesure pour l'amidon aussi 50 g et la farine du blé tendre tamisé. Alors dans le récipient, je commence par mélanger le beurre et le sucre. Je rajoute la pincée du sel et le sucre vanillé. Je vais tout mélanger pour avoir la consistance pommade. Maintenant, je rajoute l'amidon et la farine petit à petit. La levure. Vous n'aurez pas besoin de pétrir la pâte, seulement la ranger. Ah, j'avais oublié l'huile végétale. J'aurais dû l'ajouter à la première étape. Problème, je continue et je ramasse la pâte qui doit être très très mou. Vous voyez la consistance, il est très très mou. Voilà. Pour la quantité de farine que j'ai rajoutée, c'est 125 g. Je passe à la manipuler sans oublier de la couvrir d'un film alimentaire. Alors pour cela, j'aurai besoin de ce genre de tampon. Voilà. La façon est très facile, comme vous allez voir. Je prends une petite quantité de la pâte, je le mets dedans et je tape légèrement pour qu'il sorte de l'autre côté. Comme vous allez voir, c'est très facile.
Le voilà. Une autre. Voilà. Et je continue de la même manière pour finir toute la quantité. Et je vais vous montrer un autre forme aussi. Voilà. Et voilà. Voilà. Maintenant, je passe à enfourner les gâteaux à 150 degrés. Le four est déjà préchauffé. Après 15 minutes au four, voilà les gâteaux. Je les laisse refroidir complètement avant de les démouler. Après, je vais les assembler avec le chocolat noir fondu. Voilà. Je prends une. Voilà. Et je trempe aussi les deux côtés au chocolat. Et les placer sur une grille. Voilà. Et je fais pareil pour les autres. L'autre côté. Et je les laisse se refroidir avant de les présenter. Si vous voulez, vous pouvez même tremper juste un côté. Voilà. Ces gâteaux sont trop bons, je vous invite à les faire. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et l'abonnement à la chaîne Cuisine Marocaine. Pour plus de nouveaux, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Très bon appétit et à la prochaine.